Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. J'aimerais faire un concours de dessin et ce concours de dessin va porter sur le doodle art. Voilà. Je vais vous montrer deux trois modèles de doodle art plus un dessin que j'ai fait moi-même. Car j'aimerais qu'en fait, dans une prochaine vidéo, vous m'envoyiez sur les réseaux sociaux quoi votre dessin de doodle art. Et que moi j'en ferai une vidéo et je le posterai sur ma chaîne. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vous montre les doodle art et je vous explique un peu plus le concours. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc voici les doodle art d'un artiste que je connais. Ce ne sont pas les miens, mais j'aimerais bien dessiner un comme ça un jour. Donc on commence par cet artiste-là. Donc voici un des doodle art le plus compliqué, hein, des compliqués. Il y en a des compliqués. Donc il y a des logos de Plants vs Zombies, Pac-Man. Il y a plein de personnages recréés. Et je trouve ça trop joli. Voilà. Ensuite, il y a ça. Qui est magnifique. C'est un de mes doodle art préférés. Ensuite, nous avons en dessous celui-ci. Voilà. Un simple, sans être simple hein, quand même. Qui est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont en noir et blanc, c'est logique. Et voilà. À l'endroit, c'est mieux. Voici un de mes doodle art que j'adore aussi. Alors, vous les voyez en noir et blanc, c'est normal. Car en fait, j'aimerais que vous fassiez des doodle art en noir et blanc. Alors, vous pouvez les faire en couleur, mais moi, je préfère en noir et blanc. Et vous me montrez vos œuvres. Après tous mes dessins de doodle art que j'ai fait, je pense que vous les avez déjà vus dans une précédente vidéo, mais bon voilà. Nous avons ce doodle art, nous avons celui-ci, attendez, il en manque un ici, voilà. Nous avons celui-ci qui est très très coloré, qui n'est pas terminé, parce qu'en fait je les étale, lui c'est comme ça. Nous avons celui-ci. Voilà, magnifique. Nous avons ça qui n'est pas du tout de l'art, mais qui était dedans, que j'avais fait parce que c'était le seul qu'elle nous avait. Nous avons les chaussures. Et en fait, vous voyez que la chaussette, c'est du tout de l'art. Comme ceci, le petit personnage. Nous avons encore celui-ci, qui est à l'envers, bien évidemment. Le ballon, les petits monstres. Et bien évidemment, il y a ma signature pour pas que vous me recopiez mes dessins. Nous avons celui-ci qui est mon initial avec du doodle art, c'est mon initial de mon prénom. Et nous avons celui-ci, voilà, qui n'est pas encore fini, et celui-ci qui est fini. Et après, bah, le prochain, c'est celui-là que je suis en train de faire mais que je vous montre pas en vidéo parce que c'est plutôt pour le personnel. Et nous allons faire celui-ci, nous. Alors pourquoi il y a des traits? Parce que je vais vous montrer comment faire certains visages de personnages qui permettra de vous apprendre à faire du doodle art, donc c'est pour ça. Donc pour une petite règle, parce qu'on va faire un petit peu de doodle art encore. Et j'ai décidé de le faire comme ceci. Donc vous allez prendre un crayon, une règle et faire un trait. Donc un trait avec une largeur à peu près, je vais calculer pour vous dire ma largeur, de 5 cm, voilà. Ah oui, c'est une vieille ratatouille, hein. Je l'avais mis dans un coup. Donc voilà, de 5 cm à peu près, entre chaque ligne, il nous faut 2 lignes ou 3. Moi j'en fais 2 lignes, hein, voilà. Vous pouvez en faire 3. Donc c'est parti. Je calcule 5. Et je refais un trait, c'est pas grave si les traits ne sont pas exactement positionnés pareil. Par exemple là et là, c'est pas très grave si c'est pas exactement là comme ça. Parce que ça peut faire plus joli si c'est en décalé. Céline va nous permettre de dessiner le doodle art droit sur la ligne en fait. Donc sans plus tarder, nous allons commencer le doodle art. C'est parti!
Donc là, nous allons faire un nuage. Donc c'est parti, nous commençons comme ça. Voilà. Un petit nuage. Et là, nous allons lui faire un petit soleil, pourquoi pas. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Hein. Mais si vous voulez, c'est possible. Voilà. Le petit soleil. Ensuite, nous allons lui faire les yeux. Alors, je vous les petits yeux comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons faire la petite bouche. Voilà. Ici, en fait, nous allons faire, c'est comme des pommettes ou je sais pas comment vous dire ça. Voici mon petit nuage. Donc, il n'est pas très, très, très beau, mais ça va. Il est plutôt très, très, très joli. Donc en fait, vous voyez, on peut faire les yeux de plusieurs manières, ce qui est plutôt joli. Ensuite, je vais en inventer un, parce que voilà, j'ai envie de vous montrer celui-ci. C'est un des plus classiques que je dessine souvent. Et nous allons lui faire les yeux pareil. Mais cette fois, nous allons faire qu'un œil. Un œil comme ceci. Pardon, je me suis trompée. Voilà. Un œil comme ça, et ici c'est tout coloré. Tac, tac. Et nous allons faire une bouche comme ceci, donc la bouche. On peut la faire comme ça, mais je vais la faire comme ça, la bouche avec un petit trait qui fait la démarcation. Je sais pas pourquoi, mais je... Il est pas très beau en fait, je l'aime pas, il est moche. Et non, il est très très moche, on va en refaire un autre. Il est moche, hein. On va le refaire. Alors n'appuyez pas sur vos dessins, parce que voilà. En fait, je ne l'ai pas fait assez droit, c'est pour ça que je ne l'aime pas. Ça fait comme un chamallow en fait. Voilà. La bouche, on va bien la refaire. Les yeux comme ça. Oh tiens, on va le faire qu'il pleure. Il est plutôt plus joli, je trouve. Voilà. Donc c'est ces deux-là. Après, à vous d'essayer de compléter vos lignes. Donc c'est le défi que je vais vous proposer. Donc on va colorier celui-ci. Je vais vous montrer comment on le colorie. Mais en fait, c'est un challenge que je vous propose, c'est d'essayer de faire du doodle art. En continuant les lignes, vous faites les deux premiers pour voir ce que vous arrivez à faire. Et vous inventez d'autres personnages sur les autres lignées. Et que vous m'enverrez sur mon compte Snap ou Messenger, si vous avez. Ou à moins que vous le postez sur votre chaîne et moi, je le téléchargerai votre vidéo avec votre dessin. Vous pouvez vous filmer en train de faire votre dessin, ça peut être joli. C'est vous qui décidez et c'est un challenge que je vais vous proposer. Je sais pas. Tac, on va colorier l'intérieur des yeux. Alors, faut laisser le blanc, hein, sinon ça fait pas l'œil. Tac, 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 tac. Voilà. Hop. Le petit soleil. J'ai un peu raté. On va faire une ligne noire. C'est pas obligé de faire comme moi, mais moi oui. Voilà. Hop. Hop. Alors, vous avez le droit de commencer directement au noir, hein, mais moi, je préfère commencer au crayon pour rectifier, parce que vous avez vu que des fois, on se trompe. Donc, c'est pas facile. Voilà. Je vais vous montrer d'autres doodle art que j'ai fait pendant mon travail, je vais vous dire. C'est vrai qu'au travail, je dessine alors que je devrais pas, hein, mais c'est quand j'avais fini mon boulot, donc je me mets à dessiner. C'est parti, je colorie. Tac, 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 tac.
la bouche. Voilà à quoi il ressemble, il est magnifique. Mes deux sont magnifiques, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Et le challenge, donc, c'est à vous de compléter ces lignes de Doodle Art. Donc, vous avez le droit de chercher des exemples, mais l'important, c'est d'essayer d'inventer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, en tout cas, attendez, je vais vous présenter donc mes œuvres de travail. Voici mes Doodle Art de travail que je vous ai expliqué. Donc, c'est un téléphone. On dirait un petit peu le personnage là de McDonald's. Donc là, c'est un téléphone avec des gouttelettes d'eau qui sont aspirées avec une petite cornée de glace et un monstre ici qui est caché. Ensuite, nous avons le monster. Il y a écrit monster avec une bombe de tag, un bonbon, un nuage et d'autres personnages. Vous allez me dire, ceux-là sont mieux que ceux que je vous ai montré au départ. C'est logique. Ensuite, nous avons ici Doodle. Il y a écrit avec un personnage qui le tient, une sorte de triangle magique. C'était un tronc d'arbre avec des personnages assez un petit peu bizarres. Celui-là, je l'ai un peu raté, mais c'est dommage, mais je vais le reprendre pour le refaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Bye bye tout le monde!